Bien, chers amis, bonjour, bonjour. Nous sommes déjà vendredi et nous clôturons donc cette école du sabbat aujourd'hui. Et nous voulons donc remercier le Seigneur de nous avoir accompagnés jour après jour hein, durant cette semaine et que le nom de l'Éternel soit loué. Hein. Eh bien, une cordiale bienvenue à chacun d'entre vous pendant ce temps de partage donc de l'école du sabbat. Et nous sommes. Donc ce dernier jour, vendredi, et le thème de le sous-thème en tous les cas, le sous-titre de notre leçon d'aujourd'hui s'intitule La création dans l'Écriture. Donc comment l'Écriture va venir donc confirmer la création. Hein? Donc voilà un petit peu notre thème de ce matin et j'aimerais aussi donc vous souhaiter une très très cordiale bienvenue à vous tous qui êtes là, que ce soit sur les ondes de la radio La Voix de l'Espérance, que ce soit sur Facebook et YouTube, donc du Centre Média Adventiste, et même que ce soit aussi sur le site hein, de la Mission Adventiste. Donc vous pouvez aussi suivre sur Hope Polynésie. Hein. Donc une cordiale, cordiale bienvenue à chacun d'entre vous. J'aimerais aussi souhaiter une cordiale bienvenue donc à nos pasteurs, hein, Pasteur Mathieu, Yorana, bienvenue sur le partage du plat ce plateau, donc du partage de la leçon de l'école du sabbat, Pasteur Mathieu. Yorana tout le monde, que Dieu nous bénisse dans cette étude. Ensuite, nous avons donc notre pasteur Fanoui. Bienvenue aussi à toi, Pasteur Fanoui. Yorana, bonjour à tous et voilà, que Dieu encore nous bénisse à travers son étude de sa parole. Merci. Et donc, bienvenue aussi donc à notre pasteur Paul. Hein. Il y en a un pasteur Paul, Maruru Tfariri. Merci. Donc, voilà, nous allons donc, sans plus tarder, commencer donc notre partage avec la prière de notre pasteur Payette Mathieu. Merci beaucoup. Prions. Notre Père Céleste, merci pour ce moment où tu nous permets de pouvoir partager ta parole, que tu puisses être avec nous et que ton Saint-Esprit puisse agir afin que nos cœurs puissent être touchés toujours par ton influence. Au nom de ton Fils Jésus, que nous t'avons prié. Amen. Amen. Alors, je me tourne vers Pasteur Fanou et vers Pasteur Paul. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit rappel de ce que nous avons vu donc hier avec la création et le temps hein? Donc, Pasteur Fanou d'abord, merci. Oui, merci Georges. Alors, hier, nous avons vu la création et le temps. Alors, nous avons étudié le chapitre de Genèse, chapitre 5, et le chapitre 11, dans lesquels nous avons vu deux généalogies qu'on appelle des chronogénéalogies. Hein. Voilà, nous avons vu la différence entre une chronogénéalogie et une généalogie. En rappelant tout simplement qu'une chronogénéalogie contient la des noms et aussi des fils, tout comme une généalogie. Mais en plus, elle contient aussi voilà, le temps, hein, les années qui se sont écoulées entre tel descendant et tel ancêtre. Et nous avons remarqué aussi que grâce à ces, on va dire, chronogénéalogies, eh ben, certains historiens, certains auteurs chrétiens, certains juifs aussi, ont calculé, on va dire, avec ces chronogénéalogies, l'âge de... À quelle époque, dans à quelle année, on va dire, Adam est arrivé sur Terre. Et donc, approximatif, nous avons vu que c'était à peu près 3 700 ans avant Jésus-Christ. Et nous avons vu aussi qu'aujourd'hui, certains scientifiques ont aussi leur théorie comparée à la science. Et que, comme nous l'avons rappelé aussi, la Bible n'est pas là pour nous informer scientifiquement hein, de l'âge de la Terre, de l'âge de la vie. Mais elle est là plutôt pour nous donner un enseignement. Et l'enseignement que nous avons pu tirer de ces deux chapitres aussi était que au début, Dieu a créé l'homme pour vivre éternellement. Et c'est ce que nous avons pu voir dans le chapitre 5, où les êtres humains vivaient 900 ans, 800 ans, qui au fur et à mesure où voilà, le péché est entré dans le monde et que la mort est survenue, il y a une réduction au niveau de l'âge, de la durée de vie d'une personne. Hein. Jusqu'à bien sûr la mort, et encore aujourd'hui, nous avons encore cette mort. Et merci Seigneur parce qu'il ne nous a pas abandonnés, il nous a
sauvé et il a accordé le salut grâce à son Fils Jésus-Christ. Merci, merci beaucoup, donc pasteur Fanouille, donc pasteur Paul, un petit résumé en tahitien pour nous de ce que nous avons vu hier. Merci. Me te tau a harai te e nei au, e propa i a tātou rutu a amo te pipiria, me te tau a tamu harme i a teta, teta harme i rutu i te tau o noa, e te tau o noa harme i rutu i te tau Abrahama, e i te hia te prau o te ora a amo o te prau te e nei au. E te mana o rei tā tātou ni nhe ato e tāpea, o i te tātou e, te atua te e ti a au nei te prau, no te a amo te e nei au. Dieu control tout the show. E rutu i te e mou a amo tā tātou i whaat. I prau nei nan hei nei, e i te hia tiri mō te atua, i te hia terat eit a te atua, i rutu i tera ata, i rutu i tera kuput ata, i rutu i tera nunat ata, i rutu i tera utua whare, e ua mai ti mai te atua, e i te mota ata atua no te af eit a, af eit a i tōna prau, e i te whaite a i atatu e te atua te tumu te mō mea atua, te atua te poi e te mō mea atua e tatu i te mana, e wahi o ato mai tatu e nartu atua i a ietu, wa i te atua hi a amu, o te arawha e te here o tō tātou atua. E marungu mai te George, no te moment o muara, no te whahaman o rai ia tātou, ha? Mara. Voilà, donc merci beaucoup les pasteurs. Donc nous avons un petit message donc de notre sœur Georgine Thénault. Hein, donc voilà, chaque jour nous avons son petit message fidèle au poste. Donc bonjour Georges, Heimata et toute l'équipe. Bonjour aussi aux serviteurs de Dieu. Merci pour ce beau partage de la parole de notre Seigneur. Bisous et bonne préparation au sabbat. À toi aussi donc et à chacun d'entre nous. Hein, donc cette préparation donc au sabbat. Eh bien, donc je voudrais donc lire, pasteur Payette, d'abord un texte qui se trouve dans Matthieu chapitre 19, versets 4 et 5, qui dit donc ceci: il répondit. N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme et son père quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Alors, selon ce texte, que pensait donc Jésus sur l'exactitude donc du récit de la création, hein? Donc, ce ne sont pas des fables, ce ne sont pas des mythes, ce ne sont pas des allégories. Hein? Donc, pasteur Payette. Oui, justement, il y a le fait que Jésus renvoie pour répondre à certaines questions, à certains pièges que voulaient poser les pharisiens. Il utilise les textes de la Bible et, en fin de compte, il est en train d'accréditer ce que dit la Bible, de dire, voilà, la Bible dit ça, donc c'est vrai. Parce que Jésus ne parle pas faussement, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, le fait qu'il utilise des textes bibliques, c'est pas pour dire, ben voilà, telle fable a dit ça, telle histoire raconte ça, non. C'est, vous avez vu dans les écrits, au commencement d'ailleurs, il parle bien, il dit pas, ah, dans une histoire par là, il précise bien que n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, a fait l'homme et la femme. Donc, il fait référence à Genèse chapitre 1 et même Genèse chapitre 2 lorsqu'il dit l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Et ensuite, il continue, il est en train de non seulement montrer que c'est vrai, cette histoire de la création, mais encore plus, celui qui a écrit a existé aussi, et ce qu'il a écrit est inspiré par Dieu parce qu'il parle de Moïse. Hein, c'est là que on va le reprendre, le verset 7, pourquoi donc Moïse a-t-il autorisé qu'on donne une lettre de divorce? Et c'est là qu'il va dire, verset 8, il va dire, c'est qui ce Moïse-là? Non, il dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur. En fin de compte, que Moïse vous a permis de divorcer de vos femmes, etc. etc. Donc, on voit qu'il met l'accent sur le fait que l'histoire de la création est une réalité et qu'il faut suivre. Si ce n'était pas une réalité, ça ne servait à rien de s'appuyer dessus. Donc, il s'appuie sur la parole qui est la vérité. N'oublions pas que le début de son ministère, il n'arrête pas de faire cela. Hein. L'ennemi vient le tenter et qu'est-ce qu'il utilise? Il utilise la parole de Dieu pour confondre l'ennemi.
il va dire, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, il est connecté avec la vérité de la parole de Dieu. Et la création, on voit ici que ce n'est pas un mythe, ce n'est pas des fables, mais c'est une réalité. Ça s'est vraiment produit. Ok, merci. Merci beaucoup, donc, pasteur Mathieu. Hein, donc, pasteur Fanouille, est-ce que tu peux rajouter quelque chose par rapport donc, à ce texte-là? Merci. Oui, merci Georges. Alors oui, pour compléter ce que pasteur Payette vient de dire, donc voilà, nous pouvons voir un des exemples où Jésus va citer donc le récit de la création, hein, et ce qui confirme donc bien que pour Jésus, ce texte est bien historique. Hein, mais ce qui donne encore plus de force aussi, c'est que il va l'appliquer. Et de ce texte historique, on va dire de ce texte de la création, il va sortir vraiment une application pour aujourd'hui. Hein. Et je pense que ce qui donne encore plus de force, hein, au verset 6, il est dit, donc que l'homme ne sépare pas donc, ce que Dieu a uni. Hein. Donc voilà, surtout qu'on peut voir aussi la force de ce récit, parce que Jésus applique, hein, applique ce récit encore pour les auditeurs de l'époque, pour ces pharisiens, et encore pour nous aujourd'hui, hein, bien que ces récits voilà, datent depuis longtemps, des milliers d'années, et ils ont encore un message encore pour nous aujourd'hui. Hein. Voilà. Ok, merci. Merci beaucoup, donc, pasteur Fanoui. Donc, pasteur Paul, nous avons un autre texte, hein, toujours donc de la bouche de Jésus, qui nous, dans Luc chapitre 11, versets 50 et 51, qui dit donc, qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie tué entre l'autel et le temple. Oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. Nous avons un appel et juste après, donc on reprendra pasteur Paul. Là. Yarana, bonjour. Hey, Ronald. Oui, Yarana, tout à fait. Le nom de l'ONU, c'est le métier qui préoccupe le nom de l'Atam.
Mon frère, j'ai une réponse à ta. Bon, voilà, maintenant on est à 4 minutes là, hein, donc le temps est écoulé. Donc je vais juste te remercier donc pour ton intervention de ce matin. Alors, c'est juste pour dire, hein, effectivement, hein, tu pointes que nous, on parle. En fait, on diffuse, hein, pas seulement sur la Polynésie, en parlant donc au travers de la radio, eh bien, on diffuse à beaucoup, beaucoup de personnes. Mais on est aussi sur le terrain, hein. Donc ne t'inquiète pas, hein, dans la semaine, on est sur le terrain, le matin, l'après-midi, le soir, on est sur le terrain. Il ne faut pas t'inquiéter pour ça. Hein. Donc le droit d'auteur, ce que tu appelles le droit d'auteur, on l'a payé. Donc ben, je ne comprends pas ce droit d'auteur-là, quoi. Hein. Voilà, bon, on va continuer. J'aimerais que quand tu interviennes, s'il te plaît, quiconque donc, qui intervient, on vient sur la leçon. Hein. Donc voilà, notre leçon, donc, c'est les Écritures qui confirment la création. Voilà notre leçon d'aujourd'hui et j'aimerais qu'on se concentre sur la leçon. Si tu as d'autres questions, bien, il n'y a pas de souci, tu nous laisses ton numéro de téléphone et on s'appelle. Merci beaucoup. Voilà. Donc, Pasteur Paul, donc, j'ai lu un autre texte, hein, où Jésus donc, a confirmé donc, des faits, hein, qui sont relatés donc, dans l'Ancien Testament. Et donc, Jésus fait référence donc encore à la création du monde, mais ensuite, il appuie donc sur le meurtre d'Abel et la chute, donc, et Jésus n'exprime aucun doute donc sur la façon dont la Genèse a été écrite, donc la création. Hein. Donc, Pasteur Paul, qu'est-ce que tu peux nous dire encore par rapport donc à ce texte de Luc 11, verset 51, 52 50-51. Merci beaucoup, Pasteur Paul. Maruru choti tini ye teine o itatatu irwa, mitimi ana ye wa ite ye tuit hupa o te tupu iru tuit pra o te poietek a, ite ra tatu e mēri, tumo irwa yo tatatu i teik uit mo hanei mēri ene iru tuit e yoane te pene hu ei veina tru tuit matamuara, o te atua ra ho itaratu e wafanau no mai tonau a, iru tuit para o te poietir a tiroto ato o ye tu iru tuit para o te poietir a te atua me tua te tamaiti e te varua mai te naratu i poieti. E me te pau e tai o tātou iru tuit te ruta e te pene ahuru maho e i rewa pae ahuru e te rewa pae ahuru maho e te apapura traman au e te mohipa o te tupuna mai te tau apera o teina e hare mai muri e wa i te ye tu no te apapura a ye e a tātou e i vaina ye tu e o ye tu iru tuit te tau tarara ai tara ye tu i whanaurohia mai tarara ua itehia tona prau.
Hamaloro iti te irawa choti yete na tatu rutu te etoto etoto iti penetorua to te atua pa i ya monte iti pua uha i ta monte iti wau i aturo monte i te atua mai ore iti oaira tra faite meina oi ya ue oai ya ta ue hare atu i prau te e mutamari e rutu iti roa aru mamha rutu iti toto exo 3 verse 14 tēnā ora pa i te atua ia mō te aprau atu e, te veine iau o wau e veine. Tōnā ura, te ite i te ratatū i te aprau, te veine iau o wau e veine. E hai a te o te aprau. Nā mua te tumu o te ene iau i poi i te hia i veina te atua. Tōnā ura, no tātou te ene iau, ti roto tātou te anua noa, ti roto tātou te aprau no te poiri, ai tā tātou i hamani i atura, i veina te atua. I te omua a te temea i te hia te parau te ene ora a te e ao tō tātou, trai ar tuk tēne te pene hoi, i rewa hoi, a hamani hora te atua tātou, te ene iau. E i rira i te ahi te parau te ene iau. E me te rira te mei, te mei tātou i te emana, o i te atua i tō tātou parau. E i te ona tātou i te parau no Yeremia. Roto a tō pū o tōna me tō heini, o i te atua te parau no Yeremia. E te tāra i a tātua, a te ia wau, e mēri rae, e no te hae tu i whātia mai e te parau no atamu, no apera, no te taria e te aro mai rutu e te parau no te ie ui tō tātou, ai tau e mēri e aita e tu i te tō tātou parau, no te mea nana i hoi e te ke tātou, e tēma i te emhana, e parau pa e tātou promo, e ni hoki tātou ua poi e tu, e watia wha aho mai, no te hoar amai a tātou e te parau no te ora mori ore. I rutu i te ienea, woti te tāpura hupā e tu, tēnei, i roto i tiorar au teiene i tō tātou au, propa i tātou l'univera, ai tātou hupā i etu i o te etura, ti roto una te wahi moaro o te tene, o te te tene i trei, e te araira o ia no tātou. Te prau no tō puar a whaura me papu te rira, o whaura hi a tātou i te atua. Te hupā i etu te wai noara, i no te mea te tiara ona ni hoitara a arai. Arai no tatu e te ite meira o iei tō tatu prau. Nā te rire hapa pumai a tatu e, ruto e te prau no te poiete ai te prau no te mōpapa i rā e menafia i tu ite ai te e mō prau, no te mea nāna i poiete i a tatu e i veina i tu e tamai te e mhana e amuri no atu. Jor, tāno te manono te e uira tā oia, wana. Ok, donc, pasteur Mathieu, hein, donc, voilà, Genèse 1, verset, Jean 1, verset 1 à 3. Au commencement était la parole. Hein, pasteur Paul vient de nous en parler. Ah, nous avons un appel et nous allons accueillir donc cet appel. Yorana. Yorana, sœur. Oui, Yorana, mami, j'aime. Sure. Romau gua, tak rumit tu mai perperau. Tapi bol nuara perau nanti tu auto parahi itu baru rumit. Baik itu perau nanti tu ini sehari tu tetap. Perau rapai rumit penuh hui dua hormau. Aure hui yau iha mai evan dia otimistiar. No te mea o te mana ia, no te mea o te atua ora, te feia, tēnā ora te feia te whāpora, te atitāne o re kreni, o re rā opuna au ia, o re rā oporinge te atua. So, te atua te parau tā avita e parau, o katara a parau, au te tawevo noara. Para mō mā auru, iruau au teiwa tau. E mea auna u te rawe i tō o hina aro e tā ua tua. E venei hoi tā o e ture, te roto i tō ne a au. Te praune iau i te prautia i roto i amuid arhei o te tāta nei. Inha, aore roa tā uaha e mā mū te deida, hoi te ato hoi oe e tā ua tua e Jehova. Aore iau i hunai te prautia, nā o i roto i tāu a te whaite me iau i tō praumau e te ora mā o aore iau i huna i tō hamani mai tei e tō praumau i te amu i tā reita.
Savevo no ara pro na tia tua e tu ia por iniciato, Jorge. Quando ta mam tia ne pro ia tato, te ia te bene. Papá, tu to tato, papá, reia e tu. Fai te ria me tia amua tua mea a tamua me ia te ta mea noa ape ia ia aperhama e teru me ia e tu. Nore ia e tu tono ria me tia te ia ia. Ye hi o tu te tatan hui, yo ratu datu, ye tetra man hui, ya me tu tatu fatu. Nore da shot, mea rei tu mo pru tatara a tatia tua horua no tatu te ia man. Hei te tia tua, me ta ye tu prau e ia ana mia, te te hoi pat pene iwa iwa horma pa. Farija wo ia ne e ui mai ki hia e iau. Ia hato na vaya ma mu, fai te tai tau. Tau prau, tau oa, ni hei tumo e tene, te mau huia ni apua, e te mau tamari karera. Ok, merci. O tau ia te ia mhana, Josh. Merci. Tarare noa. Tamani tia nai pro ia tatu, papa atu to tatu, papa atu puna, e ia jetu. Si o te oramu ni ore. Voilà. Hai tatu e. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie, voilà, pour cet encouragement-là. Donc, voilà, avant donc de passer la parole à Pasteur Payet, nous avons deux messages donc, sur la plateforme Facebook, donc de Hamaïria, pardon, donc, qui dit « Bonjour Georges et Heimata, donc, et les pasteurs ». À tout, et à tous ceux qui écoutent, le deuxième, donc, qui sont à l'écoute, pardon. Deuxième vient de Jean-Pierre Manea. « Temhana mea poyete hia oya » Le soleil a été créé. « Ya tai o mait e hia te prau a te atua » Donc, il faut bien lire la parole de Dieu. « Ya oranata tau pato » Donc, voilà, bien le bonjour à tout le monde. Alors, Pasteur Payet, donc, Jean 1, verset 1 à 3, au commencement était la parole. Donc, que peut-on dire par rapport à ce texte-là du Nouveau Testament, donc, qui vient confirmer le fait de créateur, hein? Donc, merci beaucoup, Pasteur Payet. Je crois qu'on avait parlé aussi de Luc chapitre 11, verset 50 à 51, c'est ça, hein? C'est ça. Juste pour apporter que c'est intéressant que Jésus met au même niveau historique, on va dire, et considère que les deux sont historiques, l'histoire de Zacharie, qu'on connaît très bien, hein, dans 2 Chroniques, chapitre, dans les chapitres 24, versets 20 à 22, on parle de cette mort hein, qui était lorsqu'il a voulu venir devant le roi Joas. Et finalement, il s'est fait lapider dans la cour du temple. Et c'est là que Jésus reprend ce texte. Et même, il parle de ça comme s'il parle, et il parle aussi d'Abel, comme deux textes qui vraiment s'est produit dans l'histoire de l'humanité. Donc, c'est quelque chose d'intéressant de voir que Dieu prend la lettre et croit que Jésus même croit que Abel a vraiment existé, a existé dans l'histoire, tout comme Zacharie. Ici, Jean chapitre 1, verset 1 à 3, c'est intéressant de voir que cette parole, on présente la parole. C'est vrai que dit au commencement, la parole était. Pourquoi Jean parle de la parole ici? Parce que quand on le dit dans Genèse chapitre 1, on voit aussi la même façon de commencer. Au commencement, Dieu. Et ensuite, lorsqu'on regarde la création, c'est toujours la parole qui intervient. Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, Dieu dit, voilà, je vais, etc. Et donc, la parole est très importante dans la création. Et là, il commence en disant, au commencement, vous savez, existait déjà la parole. Et ça, c'est la bonne traduction de lui, second 21. C'est la meilleure traduction, je crois, plus proche de l'original, si on voudrait traduire littéralement. Il dit, au commencement, la parole existait déjà, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et là, on précise qu'elle était au commencement avec Dieu et tout a été fait par elle et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. Et c'est là que au verset 14, on sait qu'on parle de qui ? On parle de Jésus-Christ.
cette parole s'est faite chair. Et on voit que Jésus, Jean a inspiré, met en avant le fait qu'il y a eu un commencement. Et ce commencement, Jésus était déjà là, il était à l'action déjà. Il y a un créateur, et par ce créateur, Jésus est créateur aussi. Donc, des fois, ça blesse certaines personnes d'entendre cela, Jésus est créateur. Non, il y a Jésus. Là, on précise bien que Jésus existait déjà dans le sens où il est éternel, avant, aujourd'hui, comme demain, comme après. Donc, il est éternel. Et c'est là, je préfère cette traduction, hein, existait déjà, parce que sinon, il faut rentrer dans des textes, le texte grec original qui sous-entend et qui fait valoir cette idée-là aussi que, au commencement, ben, il y avait déjà Jésus qui était déjà là, même avant le commencement. C'est lui le commencement de toute chose, et particulièrement le commencement de la création sur cette terre, ben, il était déjà là, et c'est lui qui a lancé la chose. Quand Dieu dit, la chose est apparue. Donc, on voit ici que l'origine des êtres humains, comme l'origine de la terre, vient d'un créateur. Ça ne vient pas d'une évolution. Ça n'a pas besoin de prendre des milliers d'années pour que ça arrive quand on parle. Il dit et la chose arrive tout simplement. Il faut apprendre à accepter les choses par la foi aussi. Même si on a du mal à accepter, il y a beaucoup de choses qu'on aurait du mal à accepter dans notre vie aujourd'hui, mais qu'on accepte tout simplement parce qu'on n'arrive pas à faire autrement. Mais voilà quoi. Pour la foi, pour croire qu'il y a un créateur aussi, il faut être prêt accepté par la foi. Merci, merci beaucoup. Donc, pasteur Fanoui, hein, tu peux revenir sur ce texte fondateur, hein, de Jean 1, pardon, versets 1 à 3, hein, mais il y a aussi un autre texte qui nous est proposé, et là, donc, on est dans acte 1, 14, verset 5, et donc, on voit dans ce texte la supériorité de Dieu, hein, du Dieu suprême. Hein, voici ce qu'il dit en s'écriant « Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte ? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous et vous apportons une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve. » Donc voilà le Dieu vers lequel nous nous tournons chaque jour, vers lequel le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu tout-puissant. Donc, pasteur Fanoui, hein, donc voilà, qu'est-ce que tu peux en dire encore par rapport donc à ce Dieu que nous adorons? Merci. Oui, merci Georges. Avant de venir sur ce texte, j'aimerais juste aussi dire quelques petits mots sur les deux premiers textes que nous avons lus, hein, Luc chapitre 11, versets 50 et 51, où il est question de des prophètes, hein, où il est question d'Abel jusqu'à Zacharie qui ont été tués. Hein. Et ce que je trouve aussi intéressant et encourageant pour nous aujourd'hui, c'est que voilà, on va dire ces prophètes-là font partie de cette descendance, hein, d'Abel, mais aussi de cette qui ont gardé ces connaissances de Dieu et qui ont proclamé cette connaissance, cette parole de Dieu, et qui, voilà, mais à cause de cette parole, bon, a été persécuté et tué. Hein. Et si, voilà, je rejoins aussi ce que mamie vient de nous dire au téléphone, hein, un encouragement pour nous, en n'ayant pas peur, hein, de proclamer cette parole, malgré, hein, tous les problèmes, peut-être toutes les épreuves que nous aurons à faire face, parce que nous avons cette victoire en Jésus. Et voilà, c'est vraiment encourageant en tout cas pour moi aujourd'hui. Et aussi, voilà, par rapport à ce texte de Jean chapitre 1, comme Pasteur Paët l'a bien expliqué, hein, cette préexistence, ce texte nous montre que ouais, c'est vraiment fondamental dans le sens où au début de la création, il n'y avait pas seulement Dieu le Père, il y avait aussi ce logos, cette parole qui est incarnée, cette parole qui s'est incarnée en Jésus-Christ. Hein. Et aussi le texte de la Genèse te montre qu'il y avait l'Esprit de Dieu. Hein. Donc voilà, pour moi, c'est intéressant aussi, important de remarquer que voilà, la création, ils étaient tous les trois là. Hein. Ce Dieu Père, cette parole, Jésus-Christ et cet Esprit qui planait au-dessus des eaux. Maintenant, pour revenir ce troisième texte que tu viens de citer, Actes chapitre 14, verset 15,
Et la question que tu viens de nous dire, hein, quel est vraiment, en La quoi notre supériorité, Dieu, quoi. voilà, est-il supérieur aux autres dieux, hein? Voilà, dans ce texte, il est question, voilà, de Paul et de Barnabé qui sont à Iconium. Et à ce moment-là, ben, pendant une prédication, Paul va guérir un paralytique. Et là, toutes les personnes qui sont aux alentours vont se mettre à adorer Paul et Barnabé en disant, ah ben voici les dieux sont parmi nous. Ils vont appeler Barnabé Zeus et puis Paul du nom d'Hermès. Et donc, voilà, et nous arrivons à notre texte où Paul va leur dire, ô homme, hein, pourquoi agissez-vous ainsi? Nous sommes aussi des êtres humains comme vous et moi, hein, de la même nature. Mais nous vous annonçons une bonne nouvelle, hein, nous exhortons à renoncer à toutes ces choses vaines, à toutes ces divinités qui ont fait des statues, à vous tourner vers le Dieu qui est vivant, lui, c'est un Dieu vivant. Qui a fait le ciel, la terre, la mer, tout ce qui s'y trouve. Alors, la première chose que quel est en quoi Dieu est supérieur à tous ces autres dieux, hein? Eh bien, premièrement, que ce sont uniquement des Oh, on est coupé, c'est vraiment haché. cela. Tu peux reprendre, s'il te plaît, ce Dieu qui est Oui, différent? excuse-moi, Oui, Georges. vas-y, vas-y. Voilà. La particularité de notre Dieu, voilà, comme le texte le dit très bien, hein, ce Dieu, notre Dieu que nous servons est un Dieu vivant. Alors que tous les autres dieux, bien sûr, on sait qu'ils n'existent pas, qu'ils sont des pierres, hein, bien que on peut les voir, ce sont des statues faites de main d'homme, des pierres en bois ou quoi que En ce soit. pierre. Ce sont des faux dieux, hein, qui n'existent pas, qui ne vivent pas. Alors que ce Dieu que Paul proclame et que nous aussi aujourd'hui nous proclamons est un Dieu bien réel, c'est un Dieu bien vivant, bien que nous ne le voyons pas. La nature, mais aussi à travers notre vie, hein, dans notre histoire, voilà, dans notre histoire d'expérience. Je dirais que ce Dieu que nous avons, c'est vraiment un Dieu vivant, Dieu puissant qui agit encore dans notre vie aujourd'hui. Voilà ce que je pourrais dire, Ok. Georges. Merci, merci beaucoup. Donc maintenant, je me tourne vers Pasteur Paul. Alors, nous voyons donc ces textes qui viennent donc affirmer la création, confirmer la création. Et il y a un texte dans Romains, donc chapitre 1, versets 18 à 20, qui nous dit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, hein, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, donc Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. L'œil nu, hein, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Donc, qui retient justement cette vérité, ce bel évangile, cette bonne nouvelle donc de la création et du salut, hein, du rachat de l'homme? Qu'est-ce qui tient captif cette vérité-là? Et en plus, justement, Pasteur Paul, hein? Merci beaucoup. Maramaramo me te tatatu irawa, i te tui tatatu whanora ana. E nei, te prohira te prau no te prau maua, e te hap, i hape hiara te te mohapira, e ora i atatu i te oa te fatu o te ie prau mau, te atua hoa i te fatu o te ie prau mau, te nei, te prau ra te prau, la colère de Dieu, e te riri u anō te atua. Te nei, nuhi, e whātea te atua i te rariri i roto i awai. Rai amu tātou te hap, i hape noara i te prau a te atua, o te prau noara ki te mo prau, te ore i tanu i roto i tina aro te atua. E mo whea, e propai tātou, e mo whea a hara, te mo whea prau ki a ore, o rātou te tapiara te i prau mau, ia ore te i prau, ia ore pā te i prau mau, ia parare, ia porohia, me tātura, tātura, tātura te i mhana tātou, te ite te i prau mau. Tā ura hina arore hā papu ia tātou ia tāu a jor, ai tā te tāre te i fatu i te prau mau. Te atua hoa, nā te atua te prau mau, nā te atua te wanerie, ti a au noa rā tātou i te prau a te atua. E te rira te mea i au tātou i marmarama, e tina aro te atua, ia nenhe te prau a te atua,
ya tu hi hi tu e fan hor a papu mai te e roto tu e fan hor a proti a po not mai te o te ora o te mot ata a to e te rira te mea e uta tu ya mara mara mai roto te promotion aro te tua ya hin aro te ya hin aro tin aro te tua o ia ya ya nin he te ata ya ite e ya far i te ye promo nana e te rira te mea e uta tu ya mara mara mai roto te proto tatura a e promo Yahi on a tattoo, the way that they move me or the tattoo with itia, and men after the tete me, we will not tattoo yet. Men after we told her to her away, I did it out of it, I did it out of it, I did it. E otia to the tata, I root to it on a marmar, my root to it on a pari, Noria Tatura, I root to it to her up, tata to it in ATM Hana, the fa it in eight mumia, tatia to a poete tattoo, tatia to a poete. It a huru, it might a terrifying hail to tattoo a two. A terrida to me tattoo a marmarma to now tattoo, you had to tap and what a promo na tattoo, a tattoo a fight a promo. A try a man I prohere a rae tetiar out it at the ATM han. A tetiar out it at the ATM han, a try a prota yet to be proud to Matayo to Penipi Aruma O. Mai tira wa ahuru mai wa hare mai e maap o mai wa e tira wa piti ahuru. Te horoar ai a ye tui tra mana i rutu i te tata ya lido o ia e pipi. No te af eit ai e evaneria ya fa i te hia te hinaro te atua to tatu ia tiar ai te mana. E i whahoi ne hia rutu i te apotaruko i te pen ahuru maa maa apokalipsa pitru katoza. O na te prau ia o na mirhei e toru. Hopo ir ai te evaneria e tra te tiar a. Tātet ia au te tare ki ei ki e mhana. Af eit ai te prau aha, i te prau mau a te atua, janin he tātou ia whai te te rira prau mau i te mōt ata atua. E o i te tātou e i roto e te whai te ai te prau mau a te atua, e harmei ho a te mōt ata e hawhiwhi i ho a te te mō prau, rara. I ha tātou e tāu anu atu i te rira mō prau, e prau tātou i te prau a te atua ni hitona ti ara. Te prau no te whawhari ura, e prau tara e huipa te rira a te varua mai tei, na te varua mai tei e whātuku i te rira mō mai tei. Nori a tātoura, i roto i tō tātoura a, i a hopo i tātou i te prau a te atua, i a whaite tātou i te prau a te atua, e i te mō tātā atua, e hauru atu, e trai a prau whawhau tate atua i prau mai e tatu e hau mai oi e i a tatu no te hopoi i te te wahi mai te inoa e tatu. Nori a Jor, te teipa i a man o nou i rute ta tatu i rawa. Merci beaucoup, Pasteur Paul. Donc, pour résumer un petit peu en français, voilà, ne gardons pas captive cette parole de Dieu, proclamons-la, et c'est ce que nous faisons donc, jour après jour, semaine après semaine, que ce soit au travers des ondes, au travers de l'Internet et au travers aussi donc, de nos visites à domicile. Hein. Donc voilà, c'est la mission de l'Église. Hein. Donc, voilà, on est au niveau de notre interprétation, essayons d'aller au plus proche, au plus près donc, de la parole de Dieu. Alors, pasteur Mathieu, hein, donc nous avons un autre texte, nous allons avancer un petit peu encore, hein, dans notre qui est proposé donc par Jacques, Jacques 3, verset 9. Donc, et là, il y a la langue, hein, la langue par elle, donc par la langue, nous bénissons le Seigneur, notre Dieu, et par la langue aussi, nous maudissons les hommes faits à son image. Alors, il me semble que le lien avec la parole de Dieu qui est proclamée, c'est comment dire la parole de Dieu, envoyer la vérité donc, dans les oreilles, dans les esprits des personnes, peut-être en les blessant le moins possible, mais en tous les cas, là, c'est pas nous qui allons blesser les personnes, c'est vraiment la parole de Dieu qui va toucher les personnes, qui va impacter donc les personnes. Hein. Mais avant donc de que tu répondes, pasteur Payet, nous avons un message de Mamir Ayatea. Bonjour et merci donc les pasteurs et les animateurs pour votre dévouement au partage de l'EDS, l'école du sabbat. Bon sabbat à tous. Amen. Donc merci beaucoup pour ce message. Donc pasteur Payet. Merci beaucoup. Oui, il est intéressant de voir qu'on parle ici que l'homme a été fait à l'image de Dieu. Donc, il fait référence, Jacques, à la création. Encore une fois de plus, c'est une réalité historique, un fait historique. Donc, Dieu a créé l'homme à son image. Mais il rappelle aussi que nous devons faire attention parce que par notre langue, on révèle véritablement notre nature. Parce qu'il y a... Depuis le péché qui est entré dans le monde, il y a l'homme qui essaie de tendre vers à la ressemblance et à garder l'image de Dieu en lui.
et l'homme qui se laisse faire, qui se laisse aller et qui montre vraiment cette nature pécheresse sans, pratiquement sans Dieu. D'ailleurs, quand on continue, il dit de faire attention, il nous met en garde, hein, on continue le verset jusqu'au verset, on va dire même, jusqu'à la fin du chapitre 3. Il dit qu'on respecte les autres autour de nous qui sont des êtres humains que Dieu a permis d'exister aussi et pour lesquels Jésus est venu mourir sur la croix. Ce qui doit sortir de notre bouche, même si peut-être la parole des fois blesse comme une épée, mais quand ça sort de notre bouche, ça ne doit pas être une épée. C'est la personne qui va le ressentir, soit comme une épée, soit comme une... je ne sais pas, comme quelque chose de doux, hein, comme un coton. Mais nous, quand ça sort de notre bouche, il dit, il faut que quand ça sort de notre bouche, ce soit des paroles douces, remplies de douceur et de sagesse. Par exemple, au verset 13, hein, dans notre attitude, dans notre façon de parler et tout, tout doit être empreint de... doit vouloir emmener la paix dans le cœur, emmener la paix entre la personne et moi. Ça arrive que des fois les personnes réagissent, nous aussi on réagit, mais il faut apprendre à se maîtriser. La maîtrise de soi fait partie de cette relation qu'on a avec Dieu et qui montre vraiment que Dieu agit à travers nous. Donc ici, non seulement on doit propager le message, mais avec amour et douceur. Et d'ailleurs, si vous lisez la fin du chapitre 3, c'est intéressant de voir que là où il y a le verset 15, verset 14 et 15, il va nous mettre en garde. Hein. Il va dire que si vous avez dans votre cœur une jalousie, ça fait penser un petit peu, ce qui sort de la bouche, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Hein. Ça revient un petit peu ça. Et dit, verset 13, « Lequel parmi vous est sage et intelligent qu'il montre par un bon comportement, ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne faites pas les fiers et ne mentez pas contre la vérité. Apprenez à fermer votre bouche pour vous maîtriser. Parce qu'on ouvre la bouche souvent, ça sort. Hein. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut. Elle est au contraire terrestre, purement humain, démoniaque. C'est dur ces phrases-là. Mais beaucoup de personnes, là, si on dit ça, beaucoup de personnes vont dire « Oui, mais toi, tu t'es vu. » Mais là, c'est clair, on dit que c'est purement humain, terrestre et démoniaque, ça n'a rien à voir avec le ciel. Aujourd'hui, je peux bien parler, aujourd'hui, je peux bien dire « Seigneur, tu m'as inspiré, j'ai compris telle parole dans ton écriture et tout. » Et juste après, je peux me laisser posséder par le démon pour blesser les autres. Il y a quelqu'un qui a fait ça dans la Bible. C'était l'apôtre Pierre. Pierre, quand il était disciple avec Jésus, il vient de dire, Jésus demande qui il est et tout. Lui, il révèle, il dit, moi, je sais que tu es fils de Dieu, etc. Après, Jésus même le félicite pour dire, ce n'est pas la chair et le sang qui t'a révélé cela, Pierre. Tu es heureux, hein, parce que c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et même pas quelques minutes plus tard, il est en train de dire, tu sais, Jésus, tu es en train de parler tout le temps de ta mort, tant que je serai à côté de toi. Toi, personne ne mettra la main sur toi. Et Jésus va dire, arrière de moi, pas Pierre, hein? Ce sera difficile ça. Il va dire, arrière de moi, Satan. Bien sûr, aujourd'hui, on n'a pas intérêt de dire ça à aucun être humain, sinon on va se faire ramasser. Mais Jésus avait une relation étroite avec Pierre, il voulait vraiment lui dire la vérité, crûment, directement, parce qu'il fallait qu'il comprenne, avec son caractère aussi, qu'il avait. Donc ici, on nous fait comprendre gentiment qu'il faut vraiment faire attention. Nous devons apprendre à nous maîtriser et prendre conscience que les personnes qui sont autour de nous, ben, ce sont des personnes créées par Dieu aussi. Même si on est des différentes couleurs, des différentes nationalités, de tout, mais on est de la même, du même créateur. Et on est sauvé par le même sauveur. C'est Jésus-Christ. Et c'est ça qui est extraordinaire. Quand on est chrétien, on avait parlé de culture. Je ne sais plus si c'était la semaine passée, ça, ou bien cette semaine. Même, on avait parlé de culture. Aussi. Il y a une seule culture, en réalité, hein, qu'on doit développer, nous tous, en tant que chrétiens. C'est la culture de la Bible, la culture du ciel, en réalité. On doit se préparer pour le ciel.
va pas vivre éternellement sur la terre. Hein. On doit se préparer pour ce ciel et pour cette terre qui va être purifiée, recréée par Dieu. Mais nous devons développer cette culture qui est empreinte d'amour et de sagesse et de douceur. Mmh. Et tout, on nous donne une quantité de points au verset 17, hein, pleine de compassion, de bons fruits, etc. etc. Voilà un petit peu ce que je peux dire sur ce texte qui nous remet un petit peu en question. Merci, merci beaucoup, donc, Pasteur Payette. Hein. Maintenant, avec l'heure qui tourne, donc, j'aimerais, donc, si vous avez un dernier point à relever, mais sinon, j'aimerais faire un petit résumé donc, de la semaine, ce qui vous a touché vraiment, les pasteurs, et n'hésitez pas à faire le lien entre la leçon d'aujourd'hui et donc, la semaine. Hein. Donc, on va commencer par Pasteur Anoui. Donc, Pasteur Anoui, est-ce que tu as un mot de la fin ou bien un point qu'on n'a pas vu ce matin, ou bien donc cette rétrospective donc de la semaine. Hein. Merci beaucoup, Pasteur Fanny. Oui, merci Georges. Voilà, peut-être un point de résumé par rapport à cette semaine. Mm-hmm. Ce qui m'a beaucoup aussi touché, voilà, c'était aussi cette descendance. Qui gardera ses connaissances de Dieu, hein, à travers Seth, enfin la descendance d'Abel, mais que Dieu va remplacer à travers Seth, et en comparaison, en opposition avec la descendance de Caïn. Hein. Et tout comme nous le venons de voir aujourd'hui, hein, il y a entre ces 202 descendances, il y a inimitié. Hein, c'est ce que Jésus avait déjà annoncé à la femme, à Ève. Il était inimitié entre ta descendance et sa descendance. Et cette descendance qui est représentée par Caïn, et cette descendance du mal, hein, de Satan, qui essaie par tous les moyens de faire du mal à l'autre descendance par ses paroles, hein, en se mettant en opposition, en mettant des doutes dans la parole de Dieu. Et c'est ce que nous avons vu tout au long de cette semaine. Voilà, que Satan essaie toujours de mettre des doutes à travers voilà, d'autres croyances, que ce soit d'autres divinités. Et aussi, encore aujourd'hui, nous avons... Bon, faut pas catégoriser aussi, mais voilà, il y a d'autres choses, d'autres, on va dire, sciences qui mettent, on va dire, des doutes sur la parole de Dieu, et qui voilà entrent en opposition. Hein. Donc, au fil du temps, il y a toujours eu cette opposition. Et nous, notre rôle en tant que voilà que croyants, que chrétiens, hein, qui obéissons à cette parole de Dieu, tout comme Pasteur Paul vient de le dire. Et de Pasteur Paul aussi, c'est de garder vraiment cette parole et de la proclamer. Hein? C'est ça. Et au sein de notre Église, au sein même de l'Église, il y a aussi ces oppositions, je veux dire. Hein? Parfois, malheureusement, nous retrouvons ces oppositions. Et j'aime beaucoup le message que Jésus va adresser à l'Église d'Éphèse dans les sept Églises d'Apocalypse, où il va dire... En fait, il y a eu tellement des oppositions, des disputes, que l'amour s'est refroidi. Et Jésus va dire à l'Église d'Éphèse, souviens-toi, hein, souviens-toi de ton amour, reviens à tes œuvres premières. Hein. Pourquoi? Parce qu'en utilisant cette parole, cette langue que Dieu nous a dotée, bien, en se confrontant à ces oppositions, on n'a pas la dispute, et bien, il y a eu des refroidissements au niveau de l'amour. Hein. Et tout comme Pasteur Baïd l'a dit, hein, que nous puissions garder cette tu l'as proclamé avec amour, mais aussi tout en reconnaissant là, dans nos frères et sœurs, ne pas oublier, hein, c'est là le défi, hein, lorsque nous combattons l'erreur, l'opposition, à ne pas oublier que cette personne que nous avons de nous est aussi une personne pour qui Jésus est mort sur la croix. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse, et encore merci à tous, et merci Georges, et merci, merci Seigneur. Merci beaucoup, donc, Pasteur Fanoui, hein, donc, Pasteur Paul, un petit mot pour nous ce matin, avant de nous quitter, merci. Oui, mon chouti, j'ai un peu de temps pour nous, wa veida mai ai an tor to ta ka te praurai, c'est le récit le plus complet, mais i ona mi mai ai ona est aussi instructif, et dilo wa ko te dai hap i ai ta to i lo te pro to ta to ra ka e te piti o te man o e wa dilo wa ko te pro wa te tua e pape pia, hein, e pape pia ha te man o
la source, hein, et notamment la source de vérité éternelle. Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre. Merci, merci, pasteur Paul. Donc, pasteur Payette, un dernier mot pour nous ce matin. Il nous reste à peu près 3 minutes avant de rendre l'antenne. Merci. Ton micro. Voilà. Pardon. Dire que et prendre conscience que la Genèse chapitre 1 et suivant, ce sont des faits historiques, ça s'est réellement réalisé dans l'histoire, montre que par là, la véracité de la parole de Dieu et les promesses de Dieu. Déjà, la première promesse, c'est que Dieu va rétablir et qu'il a fait à Adam et Ève, en parlant contre le serpent, il va donner cet espoir qu'il y aura un Messie qui va venir sauver l'humanité, montrer que Dieu aime sa créature. Et Jésus vient, il meurt sur la croix, il ressuscite, il donne une autre vérité, une continuité en quelque sorte. Il dit, je reviendrai cette fois-ci, c'est vraiment pour mettre fin au péché. Et lorsqu'on va dans l'Apocalypse, on voit une phrase que Dieu dit dans Apocalypse chapitre 21. Apocalypse 21, verset 5, il dit, celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles, et il ajouta, écris cela car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. Si on a confiance depuis la Genèse dans les textes bibliques et dans les prophéties surtout, que d'ailleurs, semaine prochaine, on va aborder, ben, combien c'est extraordinaire de voir que nous pouvons faire confiance. Et là, il dit, vous pouvez faire confiance, parce que cette parole est certaine, je vais faire toutes choses nouvelles. Quand je reviendrai, c'est pour vraiment faire disparaître le mal, la mort, le péché, tout cela n'existera plus. Mais ce sera donné à qui? Et là, il faut prendre quand même le verset 22 et le verset 14. Apocalypse 22, verset 14, il est dit, heureux ceux qui lavent leur robe, ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer par les portes de la ville. En quelque sorte, on a une œuvre, on sera récompensé selon nous, quand même ce que nous avons fait sur cette terre, comment nous avons propagé l'amour de Jésus-Christ par nos paroles, par notre comportement, par nos actions. Et c'est là qu'on verra véritablement ceux qui étaient des authentiques chrétiens, et ceux qui n'étaient pas. Merci. Je souhaite que nous puissions être parmi ceux qui sont des authentiques chrétiens. Tout à fait. Merci beaucoup, donc, les pasteurs, d'avoir participé donc cette semaine pour ce partage de la parole de Dieu. Et nous voulons donc
au travers de ces partages que nous faisons semaine après semaine, eh bien, remercier le Seigneur, louer son nom parce que, eh bien, il nous bénit, il nous éclaire sur sa parole et il fonde notre foi sur sa parole. Eh bien, nous allons donc nous quitter. Demain, nous aurons notre dernier rendez-vous donc de l'école du sabbat en direct et nous commençons donc par les louanges à partir de 9h et donc jusqu'à la prédication. Hein. Mais nous commençons notre étude, notre partage de la leçon à partir de 9h30. Demain aussi, à partir de 7h30, nous avons donc sur Polynésie la première donc nos prédications. Donc, et c'est plus à midi, midi 30, c'est à 7h30 le matin. Eh bien, que le Seigneur puisse nous accompagner chacun d'entre nous. Et je laisse la parole à notre pasteur Paul pour la prière en vous disant au revoir, passez un bon week-end et à demain pour ceux qui se connecteront donc demain. Merci. Te pure datato, norirei to matou atua, te faho inei matuit mo maitei rutui otu i te paraur ae maruru, maruru to otu aratai maitei ai to otu motavini, Yanin he to otoi oa e ta oe parau i te atua i a whaate te i whahuhia. No rira te pure nei mātou, no rātou e whar omei nei, i whar omei nei ta oe parau i te atua. Hamait e ta e a rātou, ho hora i tō rātou a au, yanin he ta oe parau i a tō moi rutu i tō rātou a au e i a whar i a oe te atua, te whatu o te i e pramau, e hauru atu i te atua, yanin he mātou i a te aturi. O oe te tumu o te momea atua, mātou nei rai mo whea, e momea poi te hia mātou i tō e rima, e o tā oe noa i here e whaite i tō e maite i hia mātou e tō mātou whatu. Nō ria, te hepe toma, te hamaruru nei mātou i te atua i a oe, e nā oe a te atua e whaite i tō e whaini nei a mātou i te atua, nō te tomor ai e rutu i tō e tapati api, hawhatata whahua i a mātou i rutu i tō parau no tō e hui a mai e tō mātou whatu. E iha mai e ia oe te mo utu awhare ato e vei nei roto i te e whenua no kori ne tia wharani ne. I te oa o tō mātou whatua i etu metia. Amen.